Y se dieron unas situaciones fuera de lo futbolístico con el número por ahí, porque le dan el uno, si él lo pidió. En lo personal, yo creo que me lo gané. ¿Tu contrato se ha prolongado? ¿Tú estás feliz en Estándar? ¿Que te quieres quedar en Estándar? Bueno, la prolongación de mi contrato se dio a un sinnúmero de situaciones. Lo primordial fue que yo a Ecuador no quería regresar. Y si alargué mi contrato, si se dio la posibilidad de alargarlo, fue porque la dirigencia está muy contenta conmigo. Gracias, mi amor. ¿Quisieras jugar para el equipo nacional? Por ahora no. No, porque para mí la prioridad ahora es Estándar. En Ecuador te conocían como Roris Aragón. En Bélgica te conocen como Espinosa. ¿Por qué? Porque en Ecuador es una situación de los apellidos paternos y maternos. Por ahí yo jugaba con el Aragón, pero si vine acá a Europa y quise cambiarlo todo, desde el apellido hasta un nuevo yo. ¿Quién es el más loco del grupo? El más loco del grupo. Roris Aragón. Espinosa. Ya no quiero, Adrián. Perdón. ¿Ya me la comí? No, ya me la comí. No hay más. ¡Eso! Vaya, no puedo hacer otra cosa. Sympa, Espinosa. C'est amusant hein, de changer de nom lorsque l'on change de pays. Lorsque vous jouiez à Naples, Bertrand, vous avez changé de nom, vous non, hein. Mais je pense que les Napolitains n'étaient jamais parvenus à prononcer votre nom. Crasson, ils ne pouvaient pas dire. Vous appelez comment alors? Berto, non? Non, Crasson. Crasson, oui. À l'italienne. Bon, à l'italienne, voilà. Ok, allez, on va faire un petit tour maintenant du côté du Stade Constant Vandenstock. Vous le savez, tout à l'heure, il y aura la dernière rencontre de cette 10e journée. Anderlecht reçoit la Gantoise. Sur place, eh bien, on retrouve nos amis Marc Delire et Benoît Tans. Bonsoir à tous les deux. Comment allez-vous? Bonsoir les amis, ça va très bien. Notez qu'un surnom Berto dans le football, c'est pas mal. Hein. Berto Crasson, c'était bien aussi. Mais ici, bon, il y a toujours des sourires du côté des visages anderlechtois. Cela dit, Benoît, il y a tout de même une opération reséduction qui s'installe ici parce qu'on reste sur des résultats très moyens, une série très moyenne, 3 sur 12. Et donc face à une équipe comme la Gantoise, Anderlecht, on va le dire, et on le répète à chaque fois que les Bruxellois évoluent, ne peut pas se permettre de perdre des points à domicile, mais c'est encore plus le cas ce soir. Oui, effectivement, la pression est vraiment à son maximum. Peut-être une chose importante, c'est que notre ami Frutos va quand même revenir et débuter la rencontre. Donc ça va quand même faire un plus au niveau, je pense, d'abord du caractère. Ça, c'est la première chose. Et puis, voir un petit peu, finalement, comment cette attaque va évoluer. Parce que je pense que c'est là que le bas blesse, surtout avant la défense. Ouais. Alors, Frutos ou pas Frutos d'emblée de jeu? Frutos, ça va commencer. Ouais. On va risquer. S'il ne commence pas, c'est grave. Ce qui est aussi, on vient de voir Transolied, justement, et on a discuté un petit peu avec les joueurs gantois. On ne va pas dévoiler leur identité, mais ils nous ont affirmé, confirmé que Solied et la Gantoise venaient ici pour jouer son jeu. Donc un 4-3-3, donc 3 attaquants. Il y a peu d'équipes qui se déplacent au Parc Astrid dans une configuration comme celle-là. Oui, beaucoup de calme, du 4-3-3, effectivement, avec un Follet devant, puisque Ruiz est papa depuis hier, et puis il a eu des longs voyages. C'est un petit peu dommage, et le capitaine Grégoire disait, nous, on vient pour gagner. Il connaît bien la pelouse. Il dit d'ailleurs que suite à sa vente, on a fait un nouveau terrain ici. Non, on a vu Frankie Bergkotteren très concentré. On ne va pas dire qu'il joue sa tête parce qu'on ne va pas parler de crise. Mais enfin, en prévision de l'Europe aussi, parce qu'il y a l'UEFA qui s'annonce aussi. Un bon résultat est nécessaire pour préparer tout cela. C'est obligatoire. Je pense que c'est notre seul représentant dans cette Coupe d'Europe. On est tous accrochés à eux puisque l'équipe nationale n'est plus là. Il n'y a plus rien d'autre qu'Anderlecht. Voilà, on se raccroche. On se raccroche à ce qu'on peut. Mais c'est déjà pas si mal. Anderlecht-Gand, normalement, ça devrait être pas mal, tout comme le monde standard que vous suivez, les amis. Absolument, Marc et Benoît. C'est vrai que c'est une bonne rencontre à laquelle on assiste et une bonne équipe de Mons, comme on l'a dit. On va revoir ensemble les phases essentielles de ces 45 premières minutes qui ont été surtout à l'avantage de Mons dans le premier quart d'heure. Ça, c'était vraiment une domination montoise et de grosses occasions. Ouais, vraiment. Ça, c'est une occasion énorme quand on le voit derrière. C'est encore plus flagrant. Regardez, il suffit de la glisser dedans. Lamine Toubi est pour ça
doit encore progresser. Et tout ça en début de match. Ici, c'est Dalmat qui, en puissance, termine son action. Espinoza repousse en corner. C'était bien joué. Peut-être en croisant, il aurait pu marquer. Mais c'est vrai que ce début de match à 100 à l'heure est pour Mons. Encore une fois, Espinoza. Parce deux là, fois. On est dans les 5 premières minutes. Ah oui, oui. En boulet de canon, vraiment, Mons a commencé ce match. Un beau réflexe, deux fois, Espinoza. Alors ici, c'est la frappe de Raguet. Raguet passe pas très, très loin. Légèrement de l'extérieur du pied, comme ça, frappe en un temps, comme elle vient. Ça méritait peut-être un petit peu mieux. C'est dommage pour lui, ça n'était pas cadré. Ouais, ça, c'est une perte de balle de Fellaini. Oui. Et la passe de but un petit peu trop longue pour celle d'Espinoza. Vous avez vu aussi, perte de balle de Fellaini et Dalmat peut avancer pendant 20 mètres balle au pied. Hein. Donc là, il y a aussi un petit souci. Regardez, tout le monde recule. Et c'est qu'en dernière minute que Sarr sort de sa position. Si le ballon avait été mieux donné, c'était peut-être but. Si ça chauffe un peu, c'est vrai, dans le rectangle. Cordaroa la retourne. Peut-être un petit peu, ça allait à côté, je pense. De toute façon, enfin, Espinoza était là. Était là. Adriano. Sans trop de danger pour Bertelin. Première fois qu'il doit se coucher. Là, c'est vraiment la grosse occasion du Standard. Centre de Witzel au deuxième poteau. On se dit à un moment donné, ce centre est un petit peu perdu. Mais là, c'est vrai que Bertelin était battu. Oui. Et Raguet la sauve sur la ligne. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une passe en retrait. Non. Je pense que l'arbitre a bien fait de ne pas accorder le coup franc indirect là. Witzel encore. Et ça, passe. C'est un très bon ballon. Hein. Très bon ballon. Là, De Camargo, il pousse un petit peu trop loin. Il aurait peut-être dû, c'est aussi dû peut-être attendre encore de se remettre mieux. Oui. C'est la preuve aussi que De Camargo n'est peut-être parce pas encore tout à fait à son meilleur niveau. Il est en équilibre là. Lorsqu'il est vraiment en forme, je pense que cette balle-là, il la met au fond. Ok. Allez, on va anticiper sur le week-end prochain. On rappelle que le match d'ouverture de cette 11e journée opposera la Gantoise à Mons. Et puis, ben, voici le programme de la soirée de samedi avec un certain Standard Malines. Le Standard trône toujours fièrement en tête du classement. Samedi soir, les Rouges reçoivent Malines. Pour Michel Preud'homme, ce seront les retrouvailles avec l'un de ses clubs de cœur. Mais au coup de sifflet final, seuls les points auront une signification. Samedi soir, choisissez 6 matchs pay-per-view dont Standard Club Malinois. Pour les abonnés All Foot, les matchs sont aussi disponibles en pay-per-view. Et puis les rencontres de notre Super Sunday de dimanche prochain seront intéressantes aussi. On ira au Cercle de Bruges-Anderlecht. Donc l'affrontement entre les Anderlechtois et Glenn De Boek, qui fait un travail époustouflant là-bas. Absolument, du côté troisième du classement pour l'instant. Troisième, c'est impressionnant. Et le soir, il y aura le choc quand même très attendu aussi entre le Racing Genk et le club de Bruges. Dans quelques instants, la deuxième mi-temps de ce Mons Standard. Jovanovic à l'échauffement, Bertrand, solution évidemment si Standard ne parvient pas à débloquer la situation. C'est vrai, dans son interview d'avant-match, Michel Preud'homme disait qu'il fallait jouer, assumer un nouveau statut de leader. C'est vrai qu'ils doivent, ils sont venus ici aussi pour gagner. C'est vrai, on a trop peu vu ça en première mi-temps. Donc peut-être des changements, oui. Il y a certaines compositions d'équipe où il faut constater qu'on n'arrive pas peut-être à trouver les solutions. C'est pour ça qu'il y a un banc parfois et faire des changements. Donc je pense que Michel Preud'homme, si ça continue comme ça, va de toute façon faire quelque chose. Donc pourquoi pas Jovanovic en cours de match, en cours de deuxième mi-temps. C'est clair, c'est le meilleur buteur du championnat tout de même. S'il est en pleine possession de ses moyens, c'est clair qu'il peut faire la différence. Je pense qu'on va avoir un petit mot avec Manu Ferreira. Un petit mot du côté du Standard avec Manu Ferreira. Ben, une première mi-temps difficile. Quelles sont les consignes de cette deuxième période ? Bien, on a mieux fini la première mi-temps. Donc d'abord, c'est essayer de reprendre le match comme on l'a terminé la première mi-temps. Parce que là, on est un peu sorti hors de l'eau. Et on va voir comment ça se déroule. Si on perd de nouveau le fil, alors on va changer quelque chose. Voilà, vous avez des alternatives aussi. Hein. Oui, on a déjà prévu quelque chose. On verra comment ça se déroule. Merci beaucoup.
Oui, et bon anniversaire. Vous ne lui avez pas souhaité bon anniversaire, Johan. C'est pas grave. Hein. C'est déjà fait. Vous hein. l'avez fait avant match. Fait okay. Avant okay. match, évidemment. okay. Allez, c'est parti avec Mons et Dalma tout de suite en possession de la balle et un premier coup de sifflet de l'arbitre qui a oublié d'enclencher son chrono. Voilà, c'est fait. Ouais, petite faute de Fellaini, petite obstruction. Le premier coup franc dans cette deuxième mi-temps à l'avantage des Montois qui joue avec la descente. Une petite descente ici à Mons. Pas de changement, hein, Philippe ? Pas de changement. Ok, merci, Johan. Niquez encore derrière la balle. Bonne balle. Repoussée par Huitzel. Est-ce que cette balle va sortir en coup de coin ? Oui. Ouais. Premier coup de coin pour Mons dans cette deuxième période. Oui, encore une balle de Niquez. Vraiment qui aujourd'hui aura donné des coups francs et des corners dangereux. Oui, vraiment. Et Thomas aussi de l'autre côté. Alors, que dit l'arbitre ? Il y a troisième au premier poteau. Vous avez vu ? Il y a Dan Doutoubi au premier poteau. Il y a deux standardmen qui le tiennent. Oh, tout le monde laisse filer. Oniéhou manque sa reprise, plutôt son dégagement. Il y réussit. Et tout le monde, en fait, tout le monde est passé quasiment à côté de la balle. Cordaro récupère, bien fait. Dalmat, ça aussi c'est bien fait. Ah oui, ça pour se remettre dans le sens du jeu. Mais ça, c'est ici, c'est complètement enfermé pour les Montois. Ouais, 4 contre 2. Thomas, il est hors jeu, là, Igor de Camargo. Et ce dégagement manqué de Niou, au niveau du petit rectangle, c'était bon, il n'y pas hors jeu. Il n'y avait pas hors jeu. De Camargo, sur cette phrase-là. Changement de côté, l'un de tous les deux plongés. Très bonne passe. Roussel est dans l'axe. Ah là, il n'y a personne. Et c'est vrai que c'est bien joué de la part de Lando Toubi. Personne n'a suivi. Soit Traguette. Cordaro devait être là. Bertelin qui sort devant De Camargo, qui cette fois n'était pas en position de hors-jeu. De Camargo. Dante. Nibombe. Traguette. Bien joué, Dalmat. Balle au pied, il est inarrêtable. Hein. Oui, ballon un petit peu profond, c'est sur Espinel. Mais on le laisse aussi progresser. On le laisse on contrôler. Ça, on le laisse vrai. Retourner vers le sens du jeu. Et dans ces situations-là, il est très fort. Hein. Dante, tente le petit pont. Dante accroché par Niquez. Jovanovic à l'échauffement. Ouais. Dante dans la foulée de Fellaini. Encore Dante, il a un bon pied gauche pour centrer. Voilà le centre, la déviation et au deuxième poteau le but. Et oui, Igor De Camargo, mais très bon centre de Dante. Il y a un joueur du Standard qui a dévié et au second poteau, c'est Igor De Camargo qui est parvenu à surgir pour ouvrir le score un petit peu contre le cours du jeu. Mais c'est 0-1. Quatrième but pour De Camargo. C'est Huitzel là qui a dévié ce très bon centre de Dante. Ils sont à deux là sur Fellaini. Dante. Ah oui. C'est magnifique hein, ça. Huitzel et De Camargo. Il suffit de cela, il suffit de cela. Voici le Standard lancé dans la rencontre maintenant. Il va falloir confirmer. Et là, Bertelin, le ballon va entre les jambes de Bertelin. Et de Miri, hein, moi je dirais aussi. Ben, Miri un peu coupable aussi de ne pas anticiper une éventuelle déviation. Ben, il y a trois fautes là-dessus, Bertrand, je dirais. Bon, il y a deux hommes qui sont sur Fellaini alors qu'il n'y a personne qui est sur Dante. Centre au premier poteau, il n'y a pas de duel. Et au deuxième poteau, il n'y a personne. Va devenir plus difficile évidemment maintenant pour Mons. C'est Van de Four. Dalmat il doit donner en retrait. C'est bien joué. Parce que Mons va devoir prendre des risques. Encore une fois, hein, c'est vrai, on se dit. Mons
sera tellement d'occasions. Et c'est ça le problème, on l'a dit très vite hein, dans le premier quart d'heure, on est peut-être déjà en train d'assister à un tournant du match. Le centre de Thauma. Fellaini. Faute de main, dit-on. Rien du tout dit l'arbitre. Fellaini en puissance. Cordaro. Cordaro pour Damar. Cordaro. Il donne bien là en direction de l'âme du Toubi. Le centre. Traguette, ouais, ça c'est n'importe quoi, je dirais. C'est un peu de la précipitation là, parce que on sent au moment où il s'avance vers la balle qu'elle va partir au-dessus. Il a tout le temps contrôlé, je pense. Ouais. Il a une belle frappe en première mi-temps. Mais là, on sent bien que la préparation du tir, en tout cas, n'y est pas. Ouais. Bertelland, visiblement, s'est fait mal en dégageant. Alors, Mons est parvenu une fois dans ce championnat à renverser une situation. C'était contre le Brussels. Mené 0-1, victoire 2-1. Mais toujours ici. Oui, mais là c'était une égalisation, je parle de renverser une situation. C'est vrai qu'ils sont parvenus à revenir à hauteur de Genk il y a 15 jours. Hein. Égalisation de Mbokani pour De Camargo, le ballon à côté. C'est un coup de poing pour le Standard. Jovanovic est toujours à l'échauffement. Il va patienter encore un petit peu visiblement. Oui, mais il doit intensifier son échauffement. Okay. Dans quelques minutes, il va rentrer. D'accord. Ben, évidemment, avec une équipe de Mons qui va essayer vraisemblablement de se porter encore un petit peu plus vers l'attaque, la vitesse, la profondeur de Jovanovic peut faire mal. Hein. Déviation de Mbokani, reprise d'Igor De Camargo manquée et Bertelland. Quatre jours pour De Camargo. Oui, mais c'est juste. Le règlement. Il s'est mis devant la balle. Et donc, il y avait une faute sifflée contre De Four. Ben, il n'est pas content, mais c'est vrai que cet arbitre hollandais est imperturbable. Fellaini. Thauma. Dante en direction de Mbokani. Raged arrache la balle. Raged, bien fait. Le ballon est perdu tout de même. Dante pour Thauma. Thauma qui se heurte à Adriano. Adriano qui donne une bonne balle dans le dos de Marcos. Il prend cette balle avec la main, l'âme du Toubi. Oui, oui. Et si. Bah oui. Tout le monde l'a vu. Et lui, en plus, non seulement il l'a vu, mais il l'a senti quand même. Alors pourquoi il vous pète ? Au sol, qui est au sol, c'est Raged. Oui. Fellaini lui est un petit peu retombé dessus là, et c'est vrai que comme Fellaini doit certainement faire 90 kilos, ça doit faire mal. Il est un petit peu aplati, plaqué au sol. Regarde, 10 minutes difficiles, hein. Vous prenez un but justement et ça vous fait mal. Efficacité de nouveau, hein. Un centre, un geste juste, voilà. Et... commence bien, je trouve, de nouveau, et puis bon, voilà. Quel est le message à faire passer à vos joueurs? D'abord que c'est jamais qu'un zéro, donc il ne faut pas non plus faire du n'importe quoi maintenant, parce qu'il reste quand même du temps à gérer, donc voilà, et forcément y croire, parce que le match jusque-là nous a montré qu'on pouvait aussi faire quelque chose. Merci. Il a raison, tout est encore possible. Il reste
35 minutes dans cette partie. Là, c'est un duel entre Landoutoubi et Marcos. Cette fois, c'est Landoutoubi qui a aplati Marcos. C'est ceci au niveau du dos pour le Brésil. Il a raison, José Riga. Il faut parvenir à retrouver ses esprits, oublier ce but concédé, que l'on revoit d'ailleurs. Une erreur, une deuxième erreur. Et il suffit de ça pour permettre au Standard de mener dans cette rencontre qui était vraiment difficile pour lui ici à Mons. Mais les grandes équipes, c'est ça. C'est être efficace vraiment au moment où il le faut, quand l'occasion se présente. L'occasion est rare, donc il faut la saisir. De Camargo en a raté une. Première mi-temps, la deuxième, elle est dedans. Ça fait mal quand même, hein, visiblement, Marcos. Il va se faire soigner en bord de terrain. Ouais. Sur le banc, il y a Frédéric Dupré. Landoutoubi vit ses dernières minutes sur le terrain. Il va être remplacé par Soko. Fellaini. Steven Defour, le ballon est perdu. Par Defour. Dalmat. Encore Dalmat qui se heurte à Dante, faute de Dante. Et Marcos remonte au jeu. Ok. Le ballon n'est pas assez, n'est trop avancé. N'est pas en droit de la faute. Allez, c'est reparti. Miri contrôle un petit peu long. Et la faute sur Witzel. Marcos, la tête d'Adriano, la tentative de bicyclette. Et si je confirme, je confirme le changement, donc Zoko pour Landoutoubi. Ok. On n'est pas très en réussite, j'ai envie de dire aujourd'hui. Pourtant, avec sa vitesse, il s'est mis 2-3 fois en bonne position. Il a manqué une terrible occasion, hein, qui était peut-être la plus belle occasion pour Mons dans cette rencontre en tout début de match, rappelez-vous. Et ça lui a peut-être trotté dans la tête durant la suite, mais c'est vrai que ça, c'était une belle. Hein. Et je pense qu'il se rend compte aussi qu'il est un petit peu passé à côté de certaines occasions aujourd'hui, Landoutoubi. Pizoko, c'est un bon joueur, c'est pas un client non plus. Non. C'est une rencontre qui a perdu un petit peu de son rythme et de sa qualité, je dirais, dans ces 10 dernières minutes. Je pense que l'équipe de Mons a un peu du mal à réagir suite au but encaissé. Bombé. Le dégagement d'Adriano. Ça va tout droit chez Spinoza. Et puis, côté Standard, Mbokani cédera sa place pour Jovanovic. Ok, ça aussi c'était attendu. Mais si le Standard parvient à s'imposer ici, on rappelle que le Standard joue la semaine prochaine contre Malines. En principe, ça ne devrait pas poser de problème. Attention à Mbokani, le centre il est manqué. Et alors le week-end prochain, on rappelle qu'il y a quand même un cercle de Bruges Anderlecht. Anderlecht risque d'être en difficulté là-bas. Il y a un Genk Bruges, donc ces équipes risquent de perdre des points. Donc ce week-end-ci, peut-être le week-end prochain, pourrait être encore profitable au Standard. On n'en est pas là, bien entendu. Mais donc cette victoire ici, si elle se confirme, est ultra importante pour les Liégeois. Zoko pour son premier ballon. Ce qui parvient moins évidemment
a réédité son jeu de la première mi-temps. Pourquoi? Parce que le Standard presse mieux et joue plus court du milieu de terrain. Dalmat a moins de liberté. Voilà. Voilà. Pas de faute. Thomas, ballon trop long pour De Camargo. Il reste exactement une demi-heure dans cette partie. Déviation de Cordaro, Zocco, Niquez, qu'on voit un petit peu moins aussi qu'en première période. C'est lui quand même qui donne cette bonne balle. Il a vu tout de suite que j'ai été libre, mais c'est malgré tout un petit peu court. Dante pour Thoama. Ballon profond de Thoama en direction d'Igor De Camargo. Déviation de De Camargo, Bocani. Defour va aller. Non, il laisse filer cette balle en touche. Bien joué. Fellaini. Je pense que Mons laisse un petit peu trop faire le Standard maintenant. Et attention, deuxième but de Four. Alors qui sort cette balle? Et c'est Miri. Il y a eu un tel contre-tête. Je crois de siffler contre De Camargo. Peut-être. Ils se sont heurtés, télescopés et font un petit peu mal tous les deux. La faute est sifflée contre le Brésilien. Le voilà, Jovanović, qui fait donc son retour dans l'équipe du Standard. Bon ballon. Très bon ballon. Cordaro, le centre. Vers personne, Dante. Witzel accroché par Cordaro. Oui, c'est un peu franc. Attention à ce genre de faute, à cet endroit là tandis que le changement va être effectué. La progression de Witzel et Cordaro qui bouscule évidemment Witzel. Pas de discussion pour le coup franc. Mbokani, un avis sur sa prestation, Bertrand? Discrète, hein. Parce que c'est vrai qu'il est jeune. Bon, il s'est enflammé un peu au début en disant qu'il avait marqué 25 buts cette saison. Mais c'est peut-être la jeunesse aussi. On l'a vite comparé aussi à Chité, forcément, hein, dans le sens inverse. Il a encore une marge de progression, vraisemblablement. Il n'est pas encore au niveau de Chité, ça c'est évident. Alors, coup franc. Thoama en a mis deux contre Westerlo. C'est quand même assez loin. Oui. Mais ce sera Dante finalement. La frappe de Four frappe presque à côté de la balle. Possibilité peut-être de contre-attaque pour Mons. Non. On y est où? Miri se fait surmonter. Jovanović pour sa première balle. Il l'oublie presque en route. Dante, contrôle un peu manqué, Dalmat. Et faute sur Dalmat. Accroché par derrière, le coup franc est déjà joué. G. En direction de Roussel. Il n'y a pas une occasion de beaucoup se mettre en évidence non plus, Cédric Roussel. Dalmat, Traged. De Four, Igor De Camargo, Fellaini, Thoama, Ndombé, Raguel, Dalmat, G, Raguel. Ouais, ça circule pas mal, maintenant il faut essayer d'avancer un petit peu et d'aller trouver des solutions offensives, mais ça c'est manqué. Et la possession de balle, vous l'avez aperçu, elle s'est un petit peu inversée par rapport à la première période. Nibombé, Ragued, Dalmat. C'est un peu stérile, hein, la possession de balle pour l'instant de Mons. Oui. En tout cas, le Standard est mieux placé, j'ai envie de dire, laisse moins jouer.
dans sa moitié de terrain, parce que bon, c'est pas très dangereux de jouer à la balle, en fait, tout de suite faire des petites passes dans sa moitié de terrain. C'est pas dangereux, c'est ça. Jovanovic. Dernière balle, Cordaro. Bonne anticipation de Marcos. Et Michel Prudhomme peut-être satisfait hein, après la première mi-temps qui a vraiment été difficile. Parvenir à mener 0-1 ici après 65 minutes face à une équipe de Mons qui a livré jusqu'à présent, même si c'est un peu moins bon depuis 10 minutes, une bonne prestation. Mais l'essentiel pour l'instant est acquis pour l'équipe liégeoise. Qui, si elle s'impose, mettra un petit peu plus de pression aussi sur le Sporting d'Anderlecht hein, tout à l'heure. Anderlecht qui reçoit Gand. Dalmat. Bien joué. Trouver une solution. Il faut qu'il trouve une solution. Roussel, contrôle extérieur du pied et coup franc. Il a été bousculé par Ronieu. Oui, il a peut-être senti un peu, c'est peut-être le métier aussi, qu'il a poussé son volant un peu loin. Alors pourquoi pas une phase arrêtée hein, au secours des Montois, même si là on est quand même assez loin, à 30-35 mètres du but défendu par Espinosa. Mais on se souvient que contre Genk, c'est aussi sur une phase arrêtée que l'équipe de Mons est parvenue à rétablir l'égalité avec une frappe de Dalmat consécutive à un coup de coin. Dalmat est à nouveau derrière la balle, mais Yannickès aussi. Dalmat, la frappe, ouais, c'est... en soi, c'est pas une vilaine frappe, mais ça peut quasiment jamais, ou presque jamais, tromper un gardien à 30 mètres. Ouais, comme ça, 30-35 mètres. Devant, donc. Pourquoi il joue ça comme ça? C'est gâcher du... Je pense que c'est vraiment gâcher des bons ballons, ça. Je sais pas ce qu'il disait là, mais... Faire les bons choix au bon moment... Être efficace aussi au bon moment. Mais c'est parfois ce qui manque à cette équipe de Mons. Il n'y avait pas une semelle vers l'avant avec Niquez. Le ballon est repoussé par Mbombé. Zoko. Le Standard est mieux organisé aussi que tout à l'heure. Même si là, la perte de balle de Dante est stupide. Zoko. Ballon récupéré par Witzel et maintenant par Marcos. Oui, il était temps. Hein. Il y avait un bon coup à jouer là, dans le dos des défenseurs du Standard. De Four, Adriano, bien fait. Raged. Il y a du déchet quand même des deux côtés hein, depuis, surtout dans cette deuxième mi-temps. Et surtout du côté de Mons, même si la Mons repart vers l'attaque avec Dalmat. Solution, là. Non, il est enfermé, il doit centrer, c'est la seule chose qu'il peut faire. C'est trop long pour Roussel. Et Witzel laisse cette balle sortir. Paris est le moins inquiété, le Standard dans cette deuxième mi-temps, il faut bien le reconnaître. Ouais, qui joue plus en leader, hein, j'ai envie de dire, dans cette deuxième mi-temps. Ben, écoutez, lorsqu'on vient jouer en déplacement, on assure parfois l'essentiel, les trois points, même si on ne joue pas un match exceptionnel. À domicile, on essaye plus de soigner le spectacle. C'est ce que le Standard fait depuis le début du championnat. Efficace à l'extérieur et séduisant à domicile, c'est l'idéal. Hein. Enfin, prudence quand même. Oui, c'est vrai. Notamment sur cette action, Cordaro, le centre, la tête de Dante, Fellaini. Et je dirais maintenant, alors qu'en première période, on a signalé que les deuxièmes ballons étaient quasiment tout le temps montois, maintenant les deuxièmes ballons sont presque toujours liégeois. Jovanovic, le dégagement d'Adriano. Il est bien serré là, Jovanovic. Witzel. Je ne serais pas étonné que le Standard en mette un deuxième. Hein. En tout cas, il y a beaucoup plus d'espace, évidemment, entre les lignes. Oh, Niquez, il est parti. Est-ce qu'il va avoir la ressource pour, les ressources pour aller jusqu'au bout? Ça va être difficile. La frappe sur Espinosa, il arrive en bout de course. Il y a Roussel qui était avec lui, mais qui n'était pas vraiment démarqué. C'est quasiment vision impossible. Ouais. Hein. Pas facile de garder la lucidité. Peut-être se remettre sur son pied droit. Parce qu'il est fort décentré.
Oui, mais ce que je trouve dommage pour Mons, c'est qu'il n'y a pas une solution avec lui, parce qu'il est obligé quasiment d'aller au bout tout seul. Ouais, parce que Roussel n'est pas vraiment accessible. Hein. Non. Attention, les deux côtés avec Witzel. Crochet, Witzel, double crochet, le centre, le ballon est sorti en coup de poing, malgré l'intervention de Bertelin. Bien joué de la part de Witzel. Il me fait penser un peu à un pharaon comme ça, avec sa nouvelle coiffure. Un petit tirage de maillot aussi quand même. Alors Thomas évidemment derrière la balle. Bertelin, j'ai cru un instant qu'il allait être surmonté. Bonne prise de balle, relance. Il aurait voulu relancer tout de suite. Mais c'est un petit peu traîné au niveau de la remontée du terrain du côté de Montois. Dalmat. Ça devient difficile hein, parce qu'il y a moins de vitesse dans l'équipe de Mons. Le Standard se replie bien. Il y a régulièrement en perte de balle 8 joueurs derrière le ballon. Et là, avec 70 minutes dans...